هدى شابة مغربية منحدرة من مدينة سلا اختارت وجهة أمريكا لإتمام دراستها، وباعتمادها على خلفيتها الدراسية وعنصري الخبرة والكفاءة استطاعت تأسيس شركة خاصة بها متخصصة في استشارات الموارد البشرية. Je m'appelle Houda Kdiwi, j'ai 33 ans, je suis née à Salé, j'ai grandi entre Rabat et Salé et je réside actuellement à Manhattan à New York et je suis à la tête de mon entreprise en ressources humaines, en conseil en ressources humaines. Nous sommes dans le quartier Chelsea, c'est le quartier connu à New York pour ses 350 galeries d'art. Pour ses restaurants aussi, il y a plusieurs restaurants à Chelsea, pour ses maisons townhomes, c'est de ces maisons-là qui donnent un aspect résidentiel en plein Manhattan, en plein downtown. Quand j'ai décidé de passer mon GMAT pour venir aux États-Unis pour faire mon MBA, bien sûr, au début, j'avais très peur de me lancer vers l'aventure. J'étais heureuse chez moi avec mes parents. J'avais peur de quitter le cocon familial, la vie tranquille. Et donc, j'ai finalement décidé que j'allais le faire, relever ce défi de venir vivre dans une société lointaine et étrangère. Tout cela me motivait. Finalement, j'ai passé mon GMAT et donc je me suis lancée. Kadiwi & Partners, c'est une société de conseil en RH à destination principalement des petites et moyennes structures ici à New York et notamment ailleurs, cherchant à outsourcer leur département RH. Cela va donc de la formation au coaching, en passant par l'accompagnement et puis finalement le suivi. Mon portefeuille client consiste de petites et moyennes structures ayant subi d'une manière directe ou indirecte les impacts et les conséquences de cette crise financière. هدى نموذج للمهاجرين المغاربة الذين استطاعوا خلق مكان لهم داخل المجتمع الأمريكي والاندماج والتكيف مع ازدواج الثقافة، وتعتبر هدى أن مفتاح النجاح يتجلى في تبني منهج الثقة في النفس والرغبة في تحقيق الطموحات والمثابرة من أجل الوصول للأهداف. On est dans un restaurant italien. On aime bien la cuisine italienne ici à New York. Il y a plein d'Italiens, il y a plusieurs restaurants italiens. Je suis ici pour rencontrer mes copines. On vient ici souvent pour manger soit après le boulot, soit pendant notre lunch break, quand on a le lunch break. Mais vraiment, ça n'arrive pas tous les jours, on mange au bureau. Les États-Unis, c'est l'une des sociétés qui valorise beaucoup le travail dur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand on travaille très dur aux États-Unis, on arrive à nos buts, à nos projets. Ici, les immigrés, les gens comme nous, viennent avec des projets en tête, avec leurs rêves en tête. Et grâce au travail dur et grâce à beaucoup de persévérance, ils arrivent à atteindre un projet. Mon rêve américain, moi, je suis en train de le vivre en ce moment. Alhamdoulilah, comme j'ai dit, j'ai pu arriver à mon but, celui de me lancer dans ma propre boîte. Le rêve américain, c'est de pouvoir recommencer de rien, de pouvoir repartir de rien à tout moment. Et de pouvoir arriver à votre destination avec beaucoup de travail, avec beaucoup de persévérance. وبالرغم من بعدها عن وطنها المغرب، إلا أن جسور التواصل لا تزال قائمة.
وبفضل شخصيتها التواصلية وطبيعة عملها استطاعت خلق صداقات وعلاقات داخل محيطها، وهي اليوم تعيش الحلم الأمريكي الذي ترى أنه يكمن في الانطلاق من لا شيء والوصول إلى تحقيق كل شيء. Nous sommes chez moi, merhaba bikoum, ici c'est chez moi, j'habite dans le quartier de Chelsea, j'habite ici, je travaille ici à Chelsea. Si j'ai l'occasion de rentrer au Maroc et mon lien avec ce pays, pour moi toutes les occasions sont bonnes pour rentrer au Maroc. J'essaie de rentrer plusieurs fois au Maroc, des fois ça m'arrive de rentrer jusqu'à 3 fois, 4 fois. Je pense qu'il y a des occasions rares et importantes qui doivent se fêter en famille. Et j'essaie de ne pas rater ces occasions-là. Donc c'est comme les mariages, le début de Ramadan ou la fin du Ramadan, les Eid, les fêtes de famille. Donc j'essaie de rentrer au Maroc pendant ces moments-là. Des fois, bon, quand j'ai trop de travail, je ne peux pas, je fais mon possible pour rentrer très souvent. J'embrasse ma mère en particulier, je l'embrasse très fort. J'embrasse mon père, j'embrasse ma sœur à Rabat, j'embrasse mon autre sœur à Paris, j'embrasse mon neveu, j'embrasse ma nièce et j'embrasse toute ma famille, tous mes amis. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.